Yo tout le monde, c'est Foya. Première vidéo que je fais sur le nouveau Xenoblade Chronicles 2 qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Du coup, ça va être directement du contenu endgame vu que j'ai déjà fini le jeu. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode que je suis en train d'utiliser pour farmer les cristaux, les cœurs cristaux. Donc, de toutes les raretés, les communs, les rares, les légendaires. Du coup, je vais vous expliquer la méthode que j'utilise et vous montrer tous les stuffs qu'il va vous falloir et vous montrer comment les avoir aussi. Donc avant toute chose, il y aura potentiellement des spoilers dans cette vidéo vu que je vais vous montrer du contenu niveau 90 et tout ça et des personnages que vous avez peut-être pas débloqués. Donc dans le doute, si vous avez pas envie de vous faire spoiler, quittez la vidéo maintenant. Ok, on peut commencer. Du coup, je vais vous expliquer déjà à quoi ça va consister. Donc du coup, pour vous expliquer rapidement comment ça va se passer, le but ça va être de trouver un ennemi unique ou un ennemi de très haut niveau et essayer de lui faire le maximum de fois le combo déstabilisation, chute, éjection, commotion. Vu qu'à la commotion on va recevoir des loots et donc des cristaux cœurs. Et du coup ouais, le but ça va être de maximiser ces loots et d'essayer de le faire le plus de fois possible. Donc pour faire ça il y a plusieurs méthodes, moi personnellement celle que j'ai trouvé le plus efficace c'est de laisser mes deux alliés, donc Nia et Morag. Je vais les laisser faire la déstabilisation, et moi après je vais enchaîner avec Mitra qui va me permettre de faire la chute, avec cette arme là. Ensuite avec n'importe quel hache, donc en l'occurrence Zenobia, je vais faire l'éjection. Je suis pas sûr, je crois qu'on peut aussi le faire avec, ouais, avec cette arme là, avec Andoria. Et du coup une fois qu'il est éjecté, on va avoir Rock qui va faire la commotion. Et donc ce qui va nous permettre d'avoir les loots. Là par contre Rock c'est la seule option pour la commotion il me semble, pour Rex. Donc le reste de ma team, ouais, donc j'ai Nia qui va permettre de faire des stabilisations avec ça. Enfin déséquilibre, je sais pas pourquoi je dis déstabilisation. Déséquilibre ouais, avec ça. Avec ça aussi. Et la troisième arme, c'est pas vraiment pour déstabiliser, mais c'est pour c'est Adnin, vu qu'elle va permettre d'avoir une compétence qui augmente les chances de drop. Donc je l'ai pas au maximum, mais c'est assez suffisant. Et donc ouais. Et Morag aussi, qui va avoir une déstabilisation, enfin un déséquilibre plutôt, avec le fouet lame. Et les deux armes, j'ai une chute et une commotion, mais ça va pas me servir à grand chose, vu que c'est moi qui vais faire le tough. Du coup, première chose qu'il va vous falloir, c'est pour augmenter vos loots, il va vous falloir mettre des fragments or sur les lames. Enfin, surtout sur la lame qui va faire la commotion, donc en l'occurrence Rock. Donc il va falloir des fragments or, je sais pas si j'en ai ou j'en ai un. Donc ça permet d'avoir 50% de loot en plus. Ça dit après avoir vaincu l'ennemi, mais ça marche aussi pour la commotion du coup, vu que ça fait des loots. Du coup, les fragments or, ils vont se tromper à Temperantia, donc sur les serpents, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc téléportez-vous ici. Et là voilà, c'est les serpents. Serpent aux autres qu'il va falloir tuer. Tuer ou faire des commotions aussi pour avoir des loots. Donc je vais faire juste un combat en espérant un dropper. Truc important, essayez de l'attirer en dehors de la mer de Niash, sinon les loots vont être perdus quoi. Ça peut être assez chiant parce que des fois il met du temps à venir. Bon du coup je vais passer sans doute le combat jusqu'à ce que j'ai drop. Voilà, j'ai droppé un fragment or juste sur le dernier. Du coup, le plus important, ça va être de le mettre sur Rock. Mais si vous pouvez, vous pouvez aussi le mettre sur d'autres persos. Parce que je crois que ça compte tant que le perso est dans le combat à ce moment-là. Enfin, tant que la lame est dans le combat au moment où il y a les loots. Je crois que ça compte. Et dans tous les cas, le fragment or, c'est pas mal comme amélioration. Ensuite, pour ce qui est des équipements, sur tous vos persos, il va vous falloir le bracelet de cadence, donc qui permet de réduire le temps entre le changement de lame. Donc, qui va vous permettre de switcher entre vos lames très rapidement et donc faire les combos très facilement. Ouais, donc sur tous vos persos, si possible avec la rareté maximum. Pour dropper ça, il va falloir aller à Tantal, et ça va se dropper sur les Lapix, je vais vous montrer. Donc, niveau supérieur et le premier portail. Et apparemment, il n'y a pas de Lapix pendant qu'il y a cette météo-là. Du coup, ça, je ne savais pas. Ouais, il faut bien que la météo soit normale, du coup, pour qu'il y ait les Lapix. Donc ça se drop sur eux. Donc ça doit pas être très dur à tuer. Voilà, j'en ai déjà eu un. Bracelet de cadence. Ça peut être un peu chiant d'avoir la rareté maximum, mais ça se fait quand même assez rapidement. Donc voilà, une fois que vous aurez 3 bracelets de cadence à la rareté maximum, il va falloir... Bon, sur Rex, c'est pas important le deuxième objet. Moi j'ai mis un truc pour le heal, mais c'est pas du tout important. C'est juste que vu que je spam le sort de heal, j'ai plein de fioles. Du coup c'est sûr que je reste en vie comme ça. Mais ensuite sur les deux autres persos, ça va être très important d'avoir des lunettes bêta qui vont permettre de réduire la résistance au déséquilibre, vu que c'est juste à quoi elles vont servir.
Et donc, ces lunettes bêta, elles se drop sur le tireur chauve-souris à Gormoth. Donc voilà, celui qui est ici. Là aussi, c'est pas très dur à drop. Honnêtement, sur ce jeu, les loots sont pas vraiment compliqués à avoir, comparé avec Xenoblade X. Là, tiens, un petit peu, histoire de pas attirer les autres chauves-souris. Voilà, j'en ai droppé une juste à la fin. Voilà, une fois que vous avez deux lunettes bêta... D'ailleurs, les lunettes bêta, je crois que le maximum, c'est la rareté 2. Enfin, en tout cas, c'est le maximum que j'ai pu avoir, personnellement. Donc, une fois que vous en avez deux, une sur Morag et une sur Nia, et ben vous êtes à peu près bon. Ensuite, il va s'agir de choisir quel tyran choisir pour farmer. Donc, j'ai vu pas mal de vidéos où il y en avait qui recommandaient Barbarossa le Veilleur, donc le gros singe qui vous a one-shot beaucoup de fois au début du jeu, je suppose. Donc, ça tombe les par là-bas, mais moi je vais pas le faire. J'ai essayé sur lui, c'est pas le plus efficace parce qu'il a pas mal de résistance au déséquilibre. Ça tombe les ici si jamais vous voulez essayer. Mais ouais, moi c'est pas celui que j'utilise. J'ai vu d'autres vidéos aussi où ils allaient ici. Donc ouais, dans la grotte ici, il y a un tyran niveau genre 104. Mais lui, il est très chiant parce que déjà, il a pas mal de résistance au déséquilibre. Mais en plus, il invoque des alliés. Enfin, on peut les empêcher, mais c'est quand même plus chiant que l'autre. Et en plus de ça, il est pas très résistant, du coup, il meurt assez vite et on peut pas beaucoup farm dessus. Moi, celui que j'utilise, celui que je farm, il est à Temperatia. Donc ici. Ici. Donc c'est ici. Quand on arrive, il y a pas mal d'autres petits mobs niveau 90. Du coup, c'est vaut mieux les tuer avant parce que sinon, dans le combat, ils vont faire chier. Surtout qu'ils ont des debuffs qui les empêchent de healer. Du coup, je vais tous les tuer et on se retrouve juste après. Vous pouvez aussi tuer les petits pipitos à côté. Ça donne pas mal de trucs. Il y a aussi un coffre avec un fragment très très bien. J'ai oublié le nom, mais c'est très très bien. Du coup, prenez-le si vous n'êtes pas encore passé ici. Et donc, bah du coup, après il y a le boss qui est ici. Donc c'est un niveau 94. Il y a quelque chose à savoir sur le boss, c'est qu'à partir d'un certain nombre de PV, il va avoir une... je sais pas si c'est une aura, mais un truc qu'il va riposter... il va renvoyer des dégâts quoi quand on l'attaque. Du coup, ce qui va être important, c'est de crafter des trucs à mettre sur les lames. Des anti-ripostes, voilà. Moi, personnellement, j'en ai une sur chaque lame, et une sur une ici et une ici. Mais le plus important, c'est d'en avoir une sur ses lames. Après, sa team, c'est pas très important. Il vous manquait la... Il vous manquait le peut survivre. D'ailleurs, il y a plusieurs trucs. Il y a anti-riposte, mais il y a aussi... immunité à la réflexion, et ça c'est pas pareil, je sais pas à quoi ça sert mais ça marche pas. Alors, ensuite moi sur un mitra j'ai réduit le délai des lames, je sais pas si ça se cumule avec l'équipement, mais dans le doute je l'ai mis. Et le reste on s'en fout. Une dernière chose dans le combat c'est qu'il faut pas utiliser les arts de lame, enfin les combos de lame, parce que si vous utilisez un combo de lame, vos alliés ils vont changer de lame pour s'adapter au combo, et du coup ils vont rester sur la même lame et ils vont sans doute pas utiliser la déstabilisation, enfin le déséquilibre. Donc voilà, bah, je vais vous montrer un combat, je vais voir combien j'ai de cristaux. J'ai 32 légendaires, et je suis au max, sinon on fera les deux autres. Donc voilà, on va voir combien j'en drop dans ce combat, je vais laisser le combat en entier, on se retrouve juste après. I love it.
Voilà, je sais pas si j'en ai eu beaucoup, je crois que j'en ai eu 3 ou 4. Non, je crois 3. C'est assez variable, mais quand même 3 pour un combat comme ça, genre le combat a pas duré très longtemps. Vraiment, c'est le seul monstre que j'ai trouvé qui a si peu de résistance. Vous voyez que dans le combat, ça a peut-être dû échouer une ou deux fois. Alors que quand je fais les trucs, genre même les niveaux 80, genre le Barbarossa le Veilleur, lui ça échoue, ça a réussi peut-être une fois sur 2 ou 3. Alors que lui, c'est vraiment tout le temps presque. Donc ouais, j'en avais 32, je dois en avoir 35, je pense. Ouais, 35. Donc j'ai 3 légendaires comme ça, et il y a eu pas mal de rares aussi. Du coup, ça marche assez bien, je trouve. Donc voilà, c'est la petite technique que j'utilise. J'espère qu'elle vous sera utile. Bah, du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la première vidéo tutoriel, on va dire, sur Xenoblade Chronicles 2. Si vous avez des conseils à faire partager, n'hésitez pas en commentaire, parce que cette technique, c'est moi qui l'ai... Enfin, je me suis inspiré d'autres techniques que j'ai vues sur YouTube, plus de mon expérience, quoi, mais j'ai pas beaucoup expérimenté non plus. Donc du coup, si vous avez des trucs encore mieux, n'hésitez pas à les faire partager. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant, par exemple, un pouce bleu ou un commentaire. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur Xenoblade Chronicles 2, n'hésitez pas aussi à me le dire. Voilà, en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!